À Vichy, dans l'Allier. Allez. Christelle, 41 ans, a une astuce bien à elle pour faire ses courses sans trop dépenser. Donc on va... Ça doit être cela. Alors, celui-là, chocolat ou au B ? B. Je vérifie tout simplement en scannant le code barre, offre éligible. Donc c'est bien le bon produit. Sa carte maîtresse, c'est son smartphone. Tout simplement, quand j'achète un paquet, je vais le payer 2,63€. Là, avec les bons de réduction et l'application, je vais payer le paquet 1,37€. Depuis 4 ans, grâce à ses applications qui répertorient les ristournes, elle fait baisser le montant de son caddie. Pour Taylor, son fils de 9 ans, la corvée course est devenue voilà. Et tu vois une chasse au trésor. Là, un bon de réduction sur chaque. On se prend au jeu, ça devient facile et ça devient rigolo même, essayer de payer le produit le moins cher possible. Au lieu de 600€ de course par mois, je suis à 150€ par mois. Tu penses que c'est bien ce qu'elle fait, maman ? Oui, parce que comme ça, après, elle peut nous acheter des choses. Il a conscience des augmentations des prix et puis voilà, il sait qu'on essaye de réduire la facture pour pouvoir continuer à faire plaisir. Et on a terminé pour les céréales. Là, c'est bon, les céréales. Avec 2 500€ de revenus mensuels, Christelle et son mari font très attention à leur budget. Coupons de réduction, sites spécialisés et promotions du magasin. Quand elle fait ses courses, elle traque les prix les plus bas dans tous les rayons. Là, je prends 3 lots. Au lieu de les payer 14,90€, je vais les payer 4,47€. C'est pour papa. On va en prendre un de chaque. Un de chaque. J'aime bien stocker tout ce qui va être thon, maquereau, oui. Etc. J'en ai déjà un petit peu, mais voilà, là, vu qu'il y a une promo, je vais en reprendre. Chaque année, elle parvient à économiser 5 000€ sur son panier sans se priver. Et elle a tellement l'habitude de tout compter qu'elle est capable d'évaluer le montant de son caddie sans se tromper. On va être à 60€ à peu près. Je vais passer d'abord les produits où il y a 80 et 70% sur la carte de fidélité. Et après, je vais payer le reste avec ma cagnotte, juste avant. Alors, 64€ et 11 centimes, s'il vous plaît, madame. Bingo. Et pour payer, exit la carte bancaire. Christelle sort son meilleur atout. Je vais payer avec ce que j'ai sur la carte de fidélité. À chaque produit acheté, Christelle va cumuler de l'argent sur sa carte de fidélité. Une cagnotte qui va lui permettre de payer toutes ses courses. Aujourd'hui, elle n'aura rien déboursé. Passez une bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Bah, moi, j'aime bien passer à la caisse, en fait. Parce que j'ai en tête les économies que j'ai faites. J'ai passé des bons de réduction. J'ai des applications en rentrant qui vont aussi me rembourser. Je récupère des bons de réduction qui sont sortis en caisse. J'ai cumulé sur la carte de fidélité aussi. Donc, j'ai fait même une excellente affaire aujourd'hui. Attention à la route. Comme Christelle, la reine des coupons, certains consommateurs rivalisent d'astuces et d'inventivité pour faire face à la crise. Gaz, essence, électricité, tout augmente depuis des mois. Plus 22% sur l'énergie, plus 15% sur le bois. L'inflation atteint 6% du jamais vu en France depuis 1985. Aujourd'hui, passer à la caisse n'a jamais été aussi stressant. Bonjour. Les Français gardent les yeux rivés sur leur pouvoir d'achat, car ils vont devoir dépenser plus, 90€ en moyenne tous les mois. Ramener ces factures à zéro, un doux rêve pour beaucoup. Nous avons rencontré ceux qui ont relevé ce défi. À Bordeaux, le magasin Supercop... Ça va ? Ouais, super. Ça va. Tu fais tes courses ? Offre des réductions contre des heures de travail. Ici, c'est encore mieux parce que les vendeurs sont les clients en même temps. Il faut partager, il faut s'entraider, il faut échanger. Mais auront-ils assez de bénévoles pour maintenir ce système ? Près de Cambrai, Sandrine fait vivre toute sa famille sur son seul salaire. Alors elle a décidé de tout faire par elle-même. Bon, elles sont jolies, mais le prix est joli aussi, quoi. Il est à 4,49€ le kilo. J'achèterai pas des tomates à ce prix-là, en fait. Michael, lui, veut faire baisser la facture d'électricité de sa maison près de Paris. Donc, ce sont des petits gestes qu'on essaie de bien faire pour, au final, avoir un bénéfice. Pas seulement pour la planète, c'est aussi pour le portefeuille et pour nous-mêmes. Mais pour d'autres, c'est l'eau qu'il faut économiser. Karim est sourcier en Haute-Garonne. Et quand il remonte le cours d'eau, ben le poisson il fait ça. Tac, 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 tac. Parviendra-t-il à trouver cette ressource devenue un trésor pour ses clients toujours plus nombreux ? Eric, lui, près de Tarbes,
est devenu le roi du sponsoring. Grâce à des entreprises locales, il retape sa ferme gratuitement. C'est magique, c'est magique. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, jamais j'aurais imaginé une telle opération. Mais pour finir son chantier, il devra compter sur la solidarité. C'est aussi le système choisi par Tiffany et Julien près de Bordeaux. Eux utilisent une application de troc pour éviter d'acheter. C'est trop mignon celui-là, non ? Oui, trop mignon celui-là. Il va plaire à un autre bébé d'hiver. Et certains sont même devenus des géotrouve-tout en matière d'économie. Patrick, 76 ans, habite près de Nantes. En hiver, il n'y a plus beaucoup de soleil, mais par contre, il y a du vent. Si bien qu'on a de l'énergie toute l'année. Des bonnes idées qu'ils partagent avec de plus en plus de Français, prêts à tout pour réduire leurs dépenses. En Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, dans le quartier populaire des Terre-Neuve, les habitants ont monté un projet innovant. Pour avoir accès à des produits de qualité, sans se ruiner. Rien ne laisse deviner que cet entrepôt austère abrite un petit supermarché. C'est ici que Paco, agriculteur, vient livrer ses légumes en personne chaque semaine. Il y a une quarantaine de kilos de tomates, hein, entre les romas, les tomates cerises. On essaie de faire toutes les couleurs pour que ce soit un peu plus sympa à l'apéro. Des tomates qui ne sont pas seulement belles, mais bio. Tomates anciennes, 20 kilos. 20 kilos, ouais. Okay. Et des tomates romas, j'ai 10 kilos. C'est ça, ok, impeccable. Impeccable. En tout, 40 kilos qu'il vend 150 euros hors taxe. Les tomates, moi, me sont achetées 3,75 € hors taxe. Et donc, elles sont revendues ici. Hop, bien ça. Hop là. Elles sont revendues ici à 4,98 €. Donc, on est en dessous des 5 euros, du seuil des 5 euros. Contrairement au supermarché qui, en début de saison, on va retrouver des tomates à 7 euros, 8 euros, des choses comme ça, à des prix exorbitants pour la qualité qui n'est pas là. Le magasin ne prend que 17% de marge sur ses produits, bien moins que dans un supermarché traditionnel. Un tour de force rendu possible en faisant des économies sur le personnel. Pour avoir le droit de faire leurs courses ici, les 700 clients doivent donner en échange de leur temps. 3 heures de bénévolat par mois qui permettent de faire tourner le magasin. Oui, oui. Ah non, non, c'est pas mon métier, non, non. Avant, je suis retraité. Et avant ? Et avant, j'étais cheminot. Moi, j'étais conseillère territoriale à la caisse d'allocation familiale. Donc, voilà. À 64 ans, Anne assure la manutention ou encore le remplissage des rayons. On fait aussi la caisse. D'ailleurs, tiens, je vais aller... Forcément, quand on n'est pas du métier, on est parfois un peu perdu. Quelque chose qui ne va pas. Quantité. Ouais. Alors, 8,80 €. Tu payes comment ? Carte. Pour appuyer sur le paiement. Et ensuite, tu retapes simplement 8,80 €. Bah, j'ai essayé, mais c'est... Alors, 8,80 €. Ouais, mais ça marche pas. Ok, c'est bon ? Au revoir. En échange de ce travail bénévole, elle bénéficie d'une remise de 20% à chaque fois qu'elle vient faire ses courses. Avec 2000 euros de retraite par mois, c'est un sacré coup de pouce. Comme tout le monde, hein, je fais attention. Je dépense quand même au moins 100 euros par semaine. Donc c'est quand même pas rien, hein. Bon, enfin, c'est une des dépenses prioritaires, hein, de toute façon. Et c'est important aussi de bien manger. Donc, en venant ici, comme je mange beaucoup de légumes et de fruits, où là, on est vraiment très compétitif au niveau des prix. On est vraiment... je pense que sur Bordeaux, on fait partie des moins chers. Depuis de longs mois, le prix des fruits et légumes ne cesse d'augmenter. Mais cette inflation n'épargne aucun rayon, aucun secteur, tous les produits alimentaires, l'énergie ou encore les matières premières. Un surcoût énorme pour les Français qui sont contraints de faire des travaux, à moins de trouver une solution pour rénover sa maison sans débourser un euro. Au pied des Pyrénées, près de Tarbes, à Montrégeau, Eric, décorateur d'intérieur, vit dans cette jolie ferme de 200 mètres carrés.
Voilà, cette maison, je l'ai achetée. Enfin, cette maison, cette ruine, en 2012. Un chantier énorme et des travaux évalués à 95 000 euros. C'est alors qu'Éric a une idée de génie. Alors, un jour, j'étais devant mon écran de télé et puis je regardais une émission sur les mariages sponsorisés. Et là, j'ai trouvé l'idée originale et pourquoi pas, oui, je me suis dit, c'est une bonne idée. Il s'inspire de ce principe pour sponsoriser entièrement les travaux de sa bâtisse. Tout ce qui est charpente, bois, tuiles, les fenêtres, porte-fenêtres, la chaux qui m'a servi à faire la nuit, tout ça, ça m'a été fourni par les, offert par les sponsors. Quoi. Et à l'intérieur, voilà, également, le sol offert par un sponsor, le poêle à bois, l'électricité, la plomberie, tout ça aussi m'a été offert. Entre les matériaux et l'outillage, Éric s'est fait offrir 72 000 euros de cadeaux. Avec une obligation cependant. En échange, il s'engage à parler de ses partenaires sur son blog pour leur faire de la publicité. Un site internet suivi par 47 000 personnes. Oui, bonjour Jérémy, c'est Éric pour la fermette sponsorisée. Mais dis-moi, je te rappelle... Moins d'argent dépensé, certes, mais beaucoup plus de temps investi. Éric se démène pour ses recherches et ses négociations. Je te confirme que pour mardi, moi je suis sur le terrain. J'y consacre pratiquement une heure par jour. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à un de mes sponsors. En tout, Éric a convaincu une trentaine de partenaires. Et après avoir fini les travaux de sa maison, il a aujourd'hui décidé de s'attaquer à la grange. Mais là, on est dans la fameuse grange qui a près de 300 ans. Donc là, je vais créer un espace de vie, grand salon. Pour son futur projet, il fait appel à des entreprises qu'il séduit avec un seul coup de fil. Voilà. Là, par exemple, là, c'est une laine minérale qui m'a été offerte par un sponsor qui n'est jamais venu sur le projet, mais qui a pris connaissance de mon projet sur les réseaux sociaux, notamment par le blog. Et il m'a offert 170 mètres carrés, qui est tout de même de laine minérale, ce qui n'est pas moindre. Toute l'isolation est là. Soit une économie de 2000 euros. Et ce jour-là, il va faire une autre bonne affaire. Allez. Et là, je vais récupérer le petit camion Ben. Il est bien commode et voilà, donc on va faire les formalités. Un supermarché lui met à disposition un utilitaire. Et là encore, tout est gratuit. Le directeur de cette enseigne, il a été séduit. Il a été séduit par mon projet et il m'a offert... en fait, il m'offre tout son parc automobile pour la réalisation des travaux, pour aller récupérer les marchandises, entre autres. Voilà, sur toute distance, quoi. C'est ça qui est formidable. Donc on va se trouver une petite place à l'ombre. Alors là, je vais à l'accueil pour donc récupérer la clé, les papiers. Bonjour, Karine. 268. Bonjour, monsieur Balade, vous allez bien? Ça va? Oui. Moi, ça ne fait pas la bise. Non. Les travaux en cours, toujours? Toujours en cours. Et allez. Puis là, ce n'est pas moindre travaux, parce que là, c'est quand même une grande partie de maçonnerie que je vais entamer. Et là, voilà, le camion plateau est plutôt bienvenu. Camion. D'accord. Parce que j'ai une quarantaine de sacs à récupérer. D'accord. Allez. Alors, j'ai envoyé le permis, tout ça. Oui, on a tous les papiers, voilà. Pas de soucis. Donc là, sur un forfait de 4-5 jours... Là, ça me fait une économie de 290 euros à peu près. 290 euros, ouais. Ouais. Ce qui n'est pas moindre. Hein. Pratiquement 300 euros d'économiser. Et ces 300 euros, finalement, eh bien, je pourrais les mettre ailleurs. Éric nous fait de la publicité, déjà en se promenant avec notre camion. Enfin, se promenant entre guillemets. Voilà, donc je vous remets les clés du véhicule. Ne perdez pas la petite clé de sécurité. Voilà. Okay. Et bonne route. Merci. Travaillez bien. Bon, merci. Au revoir. Pour satisfaire son partenaire, Éric ne va pas seulement parcourir les alentours au volant de son camion. Il va jusqu'à transformer sa maison en panneau publicitaire. Ça fait 4-5 ans que ce panneau est en place. Donc c'est une pub permanente en fait.
à un échange de bons procédés en quelque sorte. Une façon de troquer des services sans que quiconque ne dépense d'argent. Avec la crise, ce type d'échange séduit de plus en plus de Français. Près de Bordeaux, dans le petit village de Ludon-Médoc. Est-ce que tu peux faire un dessin aussi ? Oui. Tu vas chercher une feuille dans le bureau ? Tiffany, 35 ans, interprète en langue des signes, et Julien, 44 ans, conseiller multimédia au chômage. Ils gagnent à eux deux 3500 euros par mois. Ils ont deux enfants, Léonie, 6 ans. On peut mettre une étoile dans le coffre ? Et le petit dernier, Joseph, 7 mois. Un âge où les dépenses en vêtements sont importantes. Le couple, pour économiser, passe par une plateforme d'échange. Bon, on va faire le tri. Il y a pas mal de choses à donner. Allez, entraîne-toi. 3M. 3 mois. 3 mois. Hop, c'est trop petit pour Joseph, ça. Oui. Voilà. C'est trop mignon, celui-là, non ? Oui, il est trop mignon, celui-là. Il va plaire à un autre bébé d'hiver. Le couple n'utilise pas les sites de vente entre particuliers. Un choix délibéré. Ça part plus vite quand c'est donné, c'est réutilisé très vite, que quand c'est vendu. Je pense que face à l'inflation, les personnes favorisent énormément le don et ça marche très très bien. Ouais. Tu vas m'aider pour les photos, ok ? Ouais. L'application gratuite par laquelle il passe est née en 2017. Tiffany et Julien l'utilisent depuis sa création, comme 4 millions de Français. Ouais, on va les faire là, les photos, non ? Regarde, on va poser ça là. T'as pris les photos, maman ? Essaye, vas-y, ma puce. De derrière aussi, tu peux prendre ? Ouais, on va prendre derrière. L'étiquette. Ouais, il y a pas mal. Créer l'annonce, je fais un don. Les deux grenouillères. Et là, c'est bon, je publie l'annonce. J'ai plus qu'à attendre pour voir si quelqu'un est disponible, si quelqu'un peut le récupérer le plus rapidement possible. À chaque fois qu'ils donnent quelque chose, Tiffany et Julien reçoivent en échange des bananes, une monnaie virtuelle qu'ils peuvent ensuite dépenser sur le site pour récupérer des dons. On a eu, il y a quelques années, ce meuble-là. Le Transat, il est à 50 euros, ça fait du 500 euros. Et le Baby Cook, une cinquantaine d'euros. Ouais, 550. Oui, on peut estimer entre 500 et 600 euros d'économie. Mmh. Et en achat périculture, par exemple, la baignoire, on l'a récupérée aussi sur le site. C'est une baignoire qui vaut entre 10 et 15 euros, suivant la marque. Honnêtement, on ne voit pas vraiment l'intérêt d'aller acheter une baignoire neuve en magasin, alors qu'on peut la récupérer. Surtout que nous, on va la remettre dans le circuit après. Donc en fait, ça va dépanner des gens. Nous, ça nous dépanne, ça fait faire des économies à tout le monde. Une épargne qui leur permet de s'offrir des extras auxquels ils ne pensaient pas. Puis du coup, avec les économies qu'on fait, en fait, finalement, on peut se faire des petits plaisirs à s'acheter une petite piscine qui nous coûte 100 euros neuve dans le commerce. Progressivement, le troc est entré dans leurs habitudes, à tel point que les sites des géants de l'ameublement, d'ordinaire si alléchants, ne leur font même plus envie. Alors, tu vois, on tourne entre 50, 60 jusqu'à des 180, donc si on peut économiser 50 euros, tu vois, c'est pas trop mal, surtout pour une petite colonne comme ça, quoi. Oui. Ouais. Désormais, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, les sites de troc sont devenus leur premier réflexe. Vont-ils trouver l'étagère de leurs rêves ? Je vais regarder. Attends, mobilier, rangement couvert, rangement, range CD. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas. Le couple ne désespère pas. Le troc demande de la persévérance et de changer ses habitudes de consommation. Ils continueront à scruter chaque jour les nouvelles annonces. Mmh, oui. À Vichy, dans l'Allier, chez Christelle, la reine des coupons de réduction. Après chaque retour de course, elle a un rituel qui peut la monopoliser pendant plusieurs heures. Là, je les pose sur ma table. Je vais faire un live sur mes réseaux pour montrer justement à ma communauté ce que j'ai pris et les bons plans qu'il y avait. Christelle est suivie par 46 000 personnes sur Facebook, où elle partage ses bons plans en direct et en vidéo.
je garde les articles voilà, en face de moi pour permettre justement de montrer chaque produit avec ma liste, vu qu'il y a tous les détails dessus, les remises en magasin, les bons de réduction et les applications de remboursement. Alors, je vais vous faire un petit retour de course. Le son et l'image sont top. Ah, super, merci Denis. Vous avez 15 euros offerts en bon d'achat pour 15 euros d'articles. En plus, vous avez des produits donc avec du cagnottage sur la carte de fidélité. Il y avait des offres sur les brosses à dents électriques et c'est rare. Donc, j'ai pris 3 lots. Hop, voilà, pour me faire le stock. Donc, c'est 14,90 € le lot. J'en ai pris 3, ça fait 44,70 € et vous avez 31,29 € sur la carte de fidélité. Voili voilou. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite. Allez, bisous, bye bye. J'aime bien partager et puis j'ai des retours positifs concernant les économies qu'ils font et ça fait plaisir. 15. Le succès est tel qu'elle en a fait sa profession. Aujourd'hui, elle est influenceuse bon plan. Tous les mois, elle perçoit de l'argent des sites spécialisés en promotion, en échange d'un peu de publicité. Je ne suis pas tout à fait au SMIG, mais oui, j'en vivote, on va dire. Christelle gagne environ 1 200 € par mois pour son job d'influenceuse, auquel s'ajoutent les nombreux remboursements qu'elle obtient grâce à son application. Donc là, j'ai pris tous ces produits, je sais qu'ils sont sur l'application, donc en remboursement. On va me demander de photographier votre preuve d'achat en entier, scanner le code barre et envoyer la demande. Et sous 48-72 heures, je serai remboursée ou sur PayPal ou sur mon compte bancaire. Des économies qui se sont transformées en passion. À tel point que Christelle a presque reconstitué chez elle son propre petit supermarché. Une pièce entière dédiée à toutes ses trouvailles qu'elle accumule. Il y en a du sol au plafond. 35 tubes de dentifrice, une dizaine de déodorants, du papier toilette pour plusieurs mois. Vous avez peur de manquer un peu ? Non, c'est pas la peur de manquer. C'est en fait, je sais que je vais pouvoir avoir un produit vachement moins cher. Donc pour moi, je vois pas l'intérêt de le payer plein pot. Donc je préfère acheter quand j'ai une bonne promo. Au lieu de payer la lessive 6 euros, je vais préférer l'acheter 50 centimes ou 30 centimes et faire un stock pour plusieurs mois et être tranquille, tout simplement. Sa méthode pour faire des économies est efficace. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne manque de rien. Tu veux manger quoi, chérie ? Des croque-monsieur. Croque-monsieur ? Ou une salade ? Tomate Croque-monsieur. Croque-monsieur. Allez, c'est parti. On prend ça. Tiens, je te donne ça. La pro des réductions a converti toute sa famille, si bien que Taylor s'inquiète lui aussi de la hausse du prix de son dessert favori. Maman, mon père, pourquoi les produits augmentent ? Pourquoi les produits ils augmentent ? Oui. C'est une bonne question, chérie. Par exemple, les gaufriers-voises, avant c'était à 99 centimes, maintenant c'est passé à 1,09 €. C'est vrai. Et il y a peu de temps. Il y a quoi ? 15 jours de ça. Il y a tout qui augmente parce que le prix en magasin augmente et nous, on paye plus cher. Comme pour l'essence. Du coup, on fait attention à chaque déplacement. Ça a surveillé, ça va super vite. Mais crois que monsieur, je sais pas que je me brûle. Hop. Avec 2 enfants à charge, sa méthode pour économiser lui permet de bien gérer son budget. Tu veux que je te montre ? Oui. Viens. On le regarde ensemble. Une discipline de fer que Christelle a acquise dans sa première vie professionnelle. Pendant 5 ans, elle a été militaire. T'es où, maman, sur cette photo ? Je suis ici, mon cœur. Ok. C'est seulement en traquant les promotions que Christelle parvient à boucler son budget. Comme beaucoup de Français, elle a dû trouver des astuces pour faire face à la crise. À Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Chez Anne, ses 3 heures de présence par mois à la coopérative lui permettent de faire ses courses, avec à la clé un rabais de 20% à la caisse. Alors, ça c'est le pain de Supercoop. Alors, ensuite, le melon. Voilà, ça permet de très bien manger.
pour moins cher que si on allait ailleurs. Voilà, ça, c'est sûr. Après, des économies, bah, c'est sûr que si on allait dans des magasins vraiment à bas prix, bah, on paierait moins cher, mais on n'aurait pas la qualité. Le repas, bon, alors c'est vrai, il y a des restes. Hein, voilà, mais on mange souvent des restes, évidemment. Avec les œufs, je dirais 1,50€. Un repas équilibré pour 1,50€. Une prouesse. Grâce à Supercop, ses dépenses alimentaires représentent 20% de son budget mensuel. Et quand on gagne 2 000 € de retraite par mois, c'est un sacré avantage. Je dois faire attention à tous mes postes de dépenses, en fait. Hein. Voilà. Toutes ces économies permettent à Anne de partir en voyage un week-end par mois. Pendant ce temps-là, à Supercop, pour continuer à pratiquer des prix bas et offrir un rabais à ses adhérents. Est-ce qu'il y a des personnes pour la réunion d'information ? Jean-Paul, un des cofondateurs, se charge du recrutement. Vous êtes de Bordeaux, de Bègle, de Talence d'ailleurs ? Bègle. Bordeaux. D'accord. Supercop, c'est mettre la main à la pâte plutôt qu'au porte-monnaie. En retroussant ses manches et en faisant tourner le magasin, eh bien, on peut faire des courses à un meilleur prix. On n'est pas une enseigne de grande distribution, il n'y a qu'un Supercop en France, c'est nous. Il y en a un autre à Berlin, ils nous ont demandé l'autorisation, c'est très bien passé. On n'est pas 100% bio, si les produits ne sont pas bio, on essaie de vérifier qu'ils sont de qualité et qu'il n'y a pas de souci avec. On n'est pas une épicerie solidaire. Après avoir expliqué les fondamentaux de la coopérative, Jean-Paul explique aussi quelques règles de base. Alors si vous ne faites pas vos 3 heures, vous avez des pénalités. Et les pénalités empêchent tout coopérateur à acheter ici. Les potentiels adhérents s'intéressent surtout aux économies qu'ils pourraient faire. Le panier moyen, est-ce que... Le panier moyen, de mémoire, il est à 150€ par mois. Et il suffirait qu'il ne soit pas beaucoup plus pour qu'on soit à l'équipe. Pour une personne, 150€ par mois ? Par personne, oui, c'est pas beaucoup. Et après une demi-heure... Merci à vous. Jean-Paul espère que ses arguments ont fait mouche. Pour le fonctionnement du supermarché, recruter est essentiel. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Il faudrait qu'on soit, pour tourner confortablement, que le magasin ait tout le temps le nombre de personnes qu'il faut, il faudrait qu'on soit au moins le double à effectuer nos services. Seul à s'inscrire aujourd'hui, Thomas, 26 ans, étudiant allemand, qui fait ses études à Bordeaux. Si je peux participer, et en plus ça fait moins cher, c'est génial. Voilà, et si tu veux venir faire tes courses en attendant, tu peux aussi, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu es en train de t'inscrire. Oui, ouais. Plus on a cool. Un petit coup de bienvenue, un petit coup de jeunesse, ça fait baisser la moyenne d'âge. Vous êtes content, Jean-Paul ? Vous êtes content ? Ah bah oui, un étudiant qui vient, en plus, il pourra en parler autour de lui. Et pourquoi pas faire venir d'autres étudiantes et d'autres étudiants ? Parce qu'on en manque. Ouais, mes contacts, ce sont plutôt en Allemagne, mais on peut voir. Hein. Non, mais ici à Bordeaux, très vite. Très vite, bien sûr. Non, c'est bien d'avoir du sang neuf, une autre vision des choses. Thomas commencera dès le mois prochain. À la prochaine. Dans les Pyrénées, près de Tarbes, Eric, au volant du camion, prêté gratuitement par un de ses partenaires. En échange de publicité, il fait de nombreux kilomètres pour trouver les matériaux nécessaires à la rénovation de sa maison. Oui, c'est fréquent, là, c'est fréquent. Il ne faut pas être pressé, parce que des fois, ce sont des moutons, des fois, ce sont des chevaux. Ce matin-là, c'est de la chaux qu'il va chercher dans une entreprise qui suit son projet depuis ses débuts. T'as même ta place attribuée. Voilà, complètement. Il y a même réservé 2 places, rien que pour moi, c'est génial, ça. Le directeur de l'usine l'accueille à bras ouverts. Enchanté. Enchanté, Jean-Michel Gonzalez. Eh bien, quel plaisir, parce que en fait, on s'est entretenu au téléphone, mais on ne sait jamais, en fait, on ne sait jamais. Mais oui, oui. Donc, je regardais un peu ce que vous faisiez. Oui. C'est intéressant. Le directeur va lui faire une petite visite pour qu'Éric puisse communiquer. Oui. Bon, on va aller s'équiper. Hein ? Donc, c'est bien petit gilet de visibilité, les gants. La chaux, elle est récupérée par les bandes transporteuses. Elle est broyée pour être sensible à l'eau, pour pouvoir être mieux hydratée. En échange, il va être payé en nature. Et ce que l'on vous offre, c'est la chaux, le produit phare qui existe depuis tout le temps sur l'usine. Voilà. 44 sacs, ce que vous aviez besoin.
Donc voilà, on vous fait un cadeau de approximativement de 600 euros. Quoi. Voilà. C'est un très beau cadeau. Hein. 600 euros, pour, c'est énorme. Quoi. C'est, sincèrement, c'est pour moi, c'est de la matière, première pour avancer dans cette rénovation. Et 620 euros, eh bien, c'est une très grosse économie que je peux faire. Hein. C'est magique. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, jamais j'aurais imaginé une telle opération. Allez, je vous donne le dernier petit coup de main. Super. Ça y est, mission accomplie. Hein. Si tout est gratuit et qu'il est aidé quand il va chercher son matériel, une fois chez lui, aucun coup de main. Et il doit se remotiver pour son chantier. Ah, c'est du costaud. Depuis 10 ans, il fait tout lui-même, sans tuto, sans professionnel. 6, 7... Là, il faut que je me cale. Allez, c'est parti. Hein. Voilà, il suffit de trouver la bonne position, en fait. Et puis après, ça va très vite. Hein. Ça va très, très vite, hein, badigeon. Voilà, il suffit de l'appliquer comme ça. Et ensuite, avec ma spatule, je viens lisser. Mais du coup, je me suis improvisé apprenti maçon au tout départ, hein, parce que bon, il y avait un petit peu de maçonnerie. C'est au pied du mur qu'on apprend le travail du maçon, puisque ça reste un travail de maçon tout de même. Hein. Voilà. Tout l'argent qu'il n'investit pas dans sa rénovation, il le consacre à ses loisirs. Moi, j'ai pas envie de me priver de certaines choses. Et si j'ai cette opération-là aujourd'hui sponsoring, eh bien voilà, je vais pouvoir me permettre aussi de passer un peu de bon temps, de relâcher un petit peu, d'aller profiter avec ma fille d'un bon resto. Se relever les manches, trouver des solutions pour moins débourser. L'aventure d'Éric est un système bien rodé. Mais pour terminer ses travaux, il lui faudrait encore 25 000 euros de dons. Près de Paris, à Gennevilliers, dans cette maison de 135 mètres carrés, vivent Michaël, Sophie et leurs deux enfants. Jusqu'à maintenant, ils ne faisaient pas vraiment attention à leur consommation. Mais avec la crise de l'énergie, le montant de leur facture d'électricité leur a sauté aux yeux. Ils payent 220 euros par mois. Alors la priorité cette année, réduire leurs dépenses. C'est dans l'air du temps. On allume la télé, tout le monde parle d'économie d'énergie. Donc oui, effectivement, il faut qu'on apprenne à être un peu plus attentif à notre consommation et à consommer intelligemment. Pour faire des économies, ils vont se faire aider par un spécialiste. Et étrangement, c'est à leur fournisseur d'énergie qu'ils se sont adressés. Pour éviter les risques de pénurie cet hiver, Plume, située à Saint-Denis en banlieue parisienne, a créé un service qui vient en aide à ses clients. Apprendre à mieux gérer son électricité en faisant des gestes simples. Depuis début septembre, Pauline de Plume Énergie, bonjour. Ils reçoivent jusqu'à 200 appels par jour. Oui. Soit 20% de plus que l'année dernière. Vous connaissez tous l'histoire. Cet hiver particulièrement, il faut qu'on fasse tout pour que nos clients consomment le moins d'énergie possible. Ce fournisseur d'énergie nouvelle génération, créé en 2014, a pour but de faciliter la transition écologique. Lancelot est l'un des cofondateurs. Ce soir, il va lui-même se déplacer chez Sophie et Michaël pour un coaching personnalisé. Tu sais, je prépare le rendez-vous que j'ai ce soir avec un client pour son diagnostic énergétique. Okay. Est-ce que tu peux peut-être aller sur sa fiche qu'on voit ensemble? Alors, ah, il a un compteur Linky. Il a un compteur Linky, on peut voir qu'il est communicant, ce qui nous permet d'accéder à ses relevés de compteur et lui aussi d'ailleurs, donc il peut suivre sa consommation en direct. D'accord. Donc ça serait pertinent qu'on aille ensemble au compteur pour que je lui montre comment il fonctionne. Oui, c'est ça. Il y a quand même des pistes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ça, je pense qu'il faut l'avoir sur place en fonction du type d'appareil qu'il a. Et, ouais. Et est-ce qu'il a un ballon d'eau chaude? Qu'est-ce qu'il a comme chauffage de l'eau? Il a un ballon d'eau chaude. Pour le coup, c'est un ballon d'eau chaude électrique. Donc, ça représente un poste important pour lui dans sa facture. Pour ce client-là, on regarde la liste des appareils, sa configuration précise pour aller à la traque des économies d'énergie. Bah, écoute, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Je te raconterai comment ça s'est passé. Avec plaisir. Merci, Lancelot. Merci, à bientôt. Une traque aux consommations fantômes. Il est 20h
il arrive au domicile de Michael et Sophie et intervient gratuitement pour le diagnostic énergétique. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très très bien, très bien. Un peu mouillé. Un peu trempé, oui. Ouais, parce qu'il pleut bien. On va venir regarder ? Oui. Ouais, merci. Ah, donc là, on voit le compteur Linky, ouais. Donc là, ce que vous voyez, en appuyant quelques fois sur plus sur le compteur Linky, on arrive sur cet écran qui donne la consommation en temps réel. Donc c'est vraiment ce qui se passe en ce moment chez vous. OK. Et donc là, vous voyez, ça bouge un petit peu, évidemment, hein, mais c'est autour de 3000, ce qui fait 3 kilowatts. Donc 3 kilowatts, c'est comme... beaucoup. Ça peut être pas mal. Donc 3 kilowatts, ça peut être, par exemple, en même temps, une bouilloire et un aspirateur, ou alors une plaque de cuisson et un four. Des choses, c'est quand même des appareils qui consomment beaucoup. D'accord. Donc là, on n'a pas d'électroménager qui soit allumé. Donc si vous n'avez pas d'électroménager allumé... donc là, ce serait intéressant, du coup, d'aller pour pister, pour voir ce qui... Le chauffe-eau. Ça peut être le chauffe-eau qui marche en ce moment. Lancelot a des astuces pour repérer les appareils énergivores. Un halogène, ça peut vite être très important comme consommation. C'est peut-être de l'halogène qui consomme. Ouais, est-ce qu'on peut juste l'éteindre pour voir l'impact que ça va avoir? On pourra le voir en temps réel. Hop. Là, on voit qu'on a perdu 50 watts, d'ailleurs. Je n'aurais pas imaginé qu'une lampe halogène aurait consommé autant, en fait, juste en étant allumée. Alors là... Oui. Ça, c'est chaud. Et donc, très clairement, une lampe à filament, vous ne pourriez pas la toucher, vous seriez brûlé directement. Et les lampes LED, aujourd'hui, on les touche, elles sont froides. Et donc ça marche, en fait, un peu pour toutes les consommations. Ça peut être aussi pour des chargeurs ou une box ou... Et en fait, on touche, c'est chaud, c'est qu'il y a l'énergie qui s'envole dans la nature. Et c'est justement ce qu'on cherche à éviter. Des gestes simples et surtout pas très chers. Remplacer des ampoules à filaments par des LED moins énergivores serait déjà un bon moyen d'économiser. Du coup, est-ce qu'on peut aller voir tout ce qui est appareil autour de la télévision, donc box, internet, décodeur Laisser certains appareils, même en veille, coûterait jusqu'à 100 euros par an. Donc là, effectivement, on a console, télévision en veille, ouais. Les deux box sont en veille, player et serveur sont en veille. D'accord. Pas d'équipement supplémentaire. La switch est en veille également. D'accord. Donc là, c'est intéressant de mettre la main dessus. Et tout de suite, on voit que ça chauffe. Donc clairement, bah, qui dit chauffe, dit énergie qui est dissipée. Un équipement comme ça, ça peut représenter 10, 15, voire 20 watts. D'accord. Fois toute l'année. Ça fait à peu près 30 euros d'électricité pour un équipement. Avec 4 appareils de ce type, c'est donc jusqu'à 120 euros d'électricité que la famille va pouvoir économiser en éteignant ses équipements. Donc, ce sont des petits gestes qu'on essaie de bien faire pour au final avoir un bénéfice, pas seulement pour la planète, mais aussi pour le portefeuille et pour nous-mêmes. Le coach va jusqu'à inspecter la cave. Le chauffe-eau se trouve par ici. D'accord. Est-ce qu'il est récent, le chauffe-eau ? Il date de 2017. D'accord, c'est récent, ok. Donc il y a peut-être la température de chauffe en fait qu'on peut vérifier. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas mal chaud. On peut estimer la température de chauffe qui peut être un petit peu élevée. Et dans chaque chauffe-eau, il y a un petit bouton qui permet d'adapter cette température. Il faut vraiment trouver le ni trop chaud, ni trop froid. Souvent, les installateurs peuvent avoir le réflexe de mettre un petit peu trop chaud. Et donc là, on voit qu'on a l'énergie qui n'est pas forcément utile parce qu'on prend rarement une douche à 60 degrés ou... Après une heure de diagnostic, si le couple applique ces petits gestes, c'est 400 euros d'économie par an à la clé. Une aubaine, car le prix de l'énergie risque encore d'augmenter. D'avoir une bonne analyse de son compteur et de sa consommation électrique, c'est très intéressant. En fait, j'avais pas la prise de conscience de l'ensemble de ma consommation électrique au sein de la maison. Merci à vous pour votre visite et tous ces bons conseils. Super. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Une belle opération pour cette famille, qui espère réduire de 20% sa facture d'électricité. Et pour le fournisseur, c'est aussi le moyen de remplir sa mission vers une meilleure transition énergétique. Mais il n'y a pas qu'en matière d'électricité qu'il y a des solutions. Certains en proposent même pour l'eau. Dans le sud-ouest de la France, à Sépette, près de Toulouse, Karim exerce un métier qui était tombé dans l'oubli. Il est sourcier. Ce chercheur d'eau a vu sa clientèle doubler en l'espace de 2 mois. Ça peut être 2-3 appels par jour actuellement. C'est souvent l'envie d'avoir sa propre gestion d'eau. Je suis content de faire des économies aux gens.
la satisfaction le jour du forage ou quand l'eau est présente de voir ce sourire, il n'y a pas de pouvoir magique. C'est que du bon sens. Du bon sens et du travail. Mais trouver de l'eau n'est pas garanti. Son nouveau client est à Martre-Tolosane, sur les rives de la Garonne. Arrivera-t-il à détecter une source chez lui ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Et vous ? Ça va. Bon. On va chercher l'eau ? Vous allez chercher l'eau ? C'est ça. Bon, on va essayer de la trouver alors. Ouais. Aimé, 70 ans, est un ancien vendeur de machines agricoles. C'est la première fois qu'il fait appel à un sourcier. J'ai repéré deux veines d'eau, dont l'une est la moins productive. Donc j'ai sélectionné une veine d'eau uniquement. Allez, on va regarder. Karim facture 150 euros sa prestation. Et avant de venir, il étudie les cartes topographiques et hydrologiques des lieux. Dans cette zone, par là. Par là. Ouais, tout à fait. Pour la partie prospection, il s'aide d'une panoplie de baguettes. C'est parti. Allez, on y va alors. Karim est fils de sourcier. Sa formation s'est faite sur le tas. Loin d'être une science, c'est avant tout une sensibilité qui lui permet de ressentir avec ses baguettes la présence de l'eau. Aucun bruit ne doit le déranger. Là, il y en a un puits là-bas, tu vois ? Oui. A priori, il passe à côté, il est à côté. Pour Aimé et son petit-fils Lolan, 11 ans, trouver de l'eau serait un bon moyen d'arroser leur futur potager, sans trop dépenser. Tous leurs voisins ont un puits, et dans cette région particulièrement soumise à la sécheresse, c'est un avantage indéniable. Mais moi, je le fais parce que, si vous voulez, dans les années à venir, on va manquer d'eau. Hein. Et dans peu de temps, on va nous faire payer l'eau très cher. On est quand même de la campagne, donc on veut arroser, on ne veut pas gaspiller l'eau. Alors on voudrait essayer de ne pas se servir de l'eau potable. Déjà, vous n'êtes pas sur ce puits-là. Hein ? Déjà, la veine ne passe pas sur ce puits-là. Ah, c'est possible qu'il ne soit pas où il faut. Hein. Outre son attirail pour détecter l'eau, Karim se sert également de signes naturels que tout à chacun peut remarquer. Plusieurs ramifications et l'arbre penche vers là. Et la veine passe là. Ça veut dire qu'en fait, il subit en fait le champ magnétique du frottement de l'eau. Et donc, l'arbre, ben, c'est un geste, on va dire, naturel, se protège de cette onde magnétique en fait qui remonte. Donc, il va se pousser. Voilà. Donc ça, c'est un bon indicateur pour vous. Ah oui. La nature, tous les signes de la nature sont importants. La veine, que Karine a détectée, est en fait un ruisseau souterrain. Au bout d'une demi-heure, avec toutes ces indications, il trouve le point idéal pour creuser un puits. La zone rouge, c'est le point de forage. Le point de forage. Voilà. C'est le point de forage qu'on a déterminé. Et c'est à cet endroit-là, en fait, qu'il faudra... On va faire le puits, là. Exactement. 3,5, 4 mètres cubes. Et entre 7,50 et 8,70 pour atteindre l'eau. Oui, oui. Voilà. Ouais. Avec environ 4 mètres cubes d'eau, Aimé espère arroser son jardin en toute autonomie. Il y a longtemps que je dis, il faudrait faire un puits, mais bon, on ne se décide jamais. C'est un investissement à long terme. Un investissement, car un forage coûte environ 2500 euros. Malheureusement, le carnet de rendez-vous des foreurs de la région est plein, en raison de l'inflation. En attendant, Karim a un autre client à voir. Il a découvert chez lui une source, il y a plus de 2 ans. Dans le nord de la France, près de Cambrai, à Bantouzel, l'eau est également un poste que beaucoup essayent d'économiser. En se raréfiant, elle est devenue très chère, une menace pour le porte-monnaie. Mais ici, les habitants ont un petit secret qui se passe de bouche à oreille, un trésor en ces temps d'inflation, une source d'eau potable. Bonjour monsieur, bonjour. Venez remplir votre bassine? Oui, en fait, je vais profiter un peu pour nettoyer la voiture. Et sinon, pour la consommation personnelle, vous en prenez aussi? Non, on ne le boit pas à la maison. Non. On ne le boit pas, on peut, mais on ne la boit pas. Mais en fait, je viens sinon tous les 15 jours récupérer
J'ai 6 jerrycans de 20 litres, je remplis le coffre. Comme ça. Et en fait, ça fait 120 litres. Et puis, on a tellement peur d'ouvrir le robinet parce que l'eau coûte tellement cher qu'on reçoit la facture. Non, mais c'est fou. Quoi. Elle est de plus en plus connue, la source ici. Oui, de plus en plus. Il y a plein de monde qui vient en chercher. Ouais, tout à fait. Et le balai des amateurs d'eau continue. Mon père, il disait toujours, l'eau, c'est la vie. Tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a du pain, on ne mourra pas. Vous voyez, regardez. Si. Si. Alors, elle est bonne ? Très bonne. Oui. Sandrine, qui vient ici tous les 15 jours, est aide-soignante. Elle gagne 1 500 € par mois. Elle doit économiser sur tout. En fait, on a calculé pour une famille de 5, on économise 500 € à l'année, en fait, de pack d'eau. Ça va nous servir pour arroser le jardin, pour la boire personnellement, pour cuisiner. Bon, bien sûr, je ne me lave pas avec, mais je pourrais en prendre plus et me laver avec, pourquoi pas, quoi. Pour faire baisser ses factures, Sandrine utilise le moins possible l'eau du robinet. Et cela ne s'arrête pas qu'à l'eau. Sa méthode est simple, celle du bon sens. Mais cette variété-là, c'est une bonne variété. Et avec son mari, Christophe, 47 ans, au RSA, ils ont trouvé des solutions pour boucler leur budget, avec peu de revenus. En fait, elle est juste sucrée comme il faut, celle-là. Bon, faut encore attendre, hein, parce que là, normalement, ça fait un peu... Tu vois, ça fait un peu marron, comme ça, mais sur toute la pomme. La première étape a été de produire eux-mêmes leurs fruits et légumes. Le terrain il fait 5000 m² et on cultive sur 2000 m². Donc oui, ça fait un grand jardin. Je vais peut-être aller un peu plus haut. J'ai déjà récolté une 20aine de kilos d'haricots verts et en fait, ils donnent encore. Donc, c'est quand même du travail en fait. Quand on commence à faire du jardin et qu'on veut conserver, on sait qu'il y aura du travail et du temps. Quoi. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas se dire je laisse pousser et je fais rien. Non, non. Surtout ramollo en fait, avec la chaleur. Sandrine, pour conserver ses récoltes, fait des bocaux. L'hiver, on mange nos bocaux. Donc ratatouille, des bocaux d'haricots verts. Je fais des bocaux de légumes à couscous aussi. Là, je vais aller dans la serre chercher des tomates. Une serre toute équipée. Pourtant, Sandrine n'est pas une professionnelle. On apprend tous les jours. On essaye de faire du jardin au mieux, en fait. Elle n'a aucun diplôme de jardinage. Quand on a commencé d'être dans l'autonomie, avec mon salaire, ça suffisait, quoi. À payer les charges et même si j'allais encore dans les magasins, il y en avait assez. Depuis 10 ans, elle n'achète plus que des produits d'entretien ménager au supermarché. Quant aux factures d'électricité et de chauffage, le couple n'en paye pas, grâce à ses panneaux solaires. C'est comme si tu avais ta liste de charges mensuelles et tous les ans, ou tous les deux ans, quelque chose, en fait. Alors, tu barrais les factures d'électricité, tu barrais les factures de chauffage, tu barrais les factures d'eau, tu barrais une partie des factures des courses, tu vois, et puis à la fin, tu dis « Ah, mais il n'y a plus que ça. Ah, il reste tout ça. » Et là, en fait, tu t'aperçois que quelque part, tu as entièrement raison de faire comme ça. Et faire la vinaigrette, s'il te plaît, dans un petit bol marron. Tu vas doucement. Ici, tout le monde participe. Tout est fait maison. J'achète pas les légumes en grande surface, surtout quand je vois le prix, je suis bien contente de manger les miens. Enfin, le prix est exorbitant, je trouve. Et pour économiser le gaz, Sandrine a un autre système de cuisson. Donc là, c'est la cuisinière que j'utilise l'hiver pour cuisiner. En même temps, ça fait un point de chauffe, parce que ça chauffe la maison. Ici, on met des bûches, là il y en a une, je chauffe et après je cuisine dessus. Quoi. J'achète pas le bois, c'est du bois qu'on récupère. Le bois est donné par le voisin, une sacrée économie, car il a augmenté de 15% cette année. Christophe, lui, se charge du découpage. C'est un échange de bons procédés. C'est bon. Parce qu'après ça va refroidir et si je réchauffe, c'est... Des concombres du jardin. Ensuite, tomates du jardin.
un repas presque 100% gratuit. Alimentation, électricité, chauffage, la famille a réduit ses dépenses de moitié en 10 ans. Près de Toulouse, Karim, le chercheur d'eau, a rendez-vous avec un de ses clients, chez qui il a découvert une source il y a 2 ans. Et on va voir s'il y a toujours de l'eau. Voilà. Romain, 41 ans, avocat à Toulouse et père de 2 enfants, rénovait à l'époque cette bâtisse typique de la région. Et bonjour, monsieur Boudali. Salut. Comment ça va? Ça va. Et toi? Impeccable. Bon. Alors? Eh bien alors, regarde, comme c'est vert. Ah ouais. Super. Et si la pelouse est aussi verte, c'est que pour lui, l'eau n'est plus un problème. Ça bouge pas, tout cet été, malgré la sécheresse. Ouais. On est resté sur le même niveau d'eau. Karim, en prospectant sur son terrain, a découvert un ancien puits qui avait été comblé et enseveli sous la végétation. Le travail pour le remettre en activité a duré plusieurs mois. Coût de l'opération, 2500 euros. Le puits, donc, il est raccordé directement à l'eau pour les chevaux là-bas. Et là-bas, de la même façon, vous avez le potager. Voilà, là, on est directement raccordé à l'eau du puits. Ce qui me permet d'arroser d'un côté le potager, de l'autre les fruitiers. Et depuis août 2020, je n'utilise plus d'eau de ville pour l'extérieur. Plus du tout. Plus du tout. Ni pour les voitures, ni pour le jardin, ni pour les animaux. Même pour la piscine, je mixe un peu des deux. Mais pour les ajouts de la piscine, quand il y a quelques centimètres, je le fais avec l'eau du puits aussi. Donc voilà. Et ça me fait faire donc de véritables économies. Non, c'est bien, tant mieux, vraiment. Mais pour tout ce qui est consommation domestique... Alors, un petit café, et cette fois-ci à l'eau de ville. Hein, c'est pas l'eau du puits. Il passe toujours par le réseau de distribution classique. Donc, voilà, ça, sa facture d'eau a totalement changé. 119 euros, ça c'était avec le puits. Ça 89 euros, 103 euros, et là par contre, il n'y a pas le puits. 220 euros, 468, 737. Tu vois la différence? Aujourd'hui, je suis à 230 euros au lieu de 737. Ouais, quasiment 2/3. Ah ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Voilà. Une somme conséquente, 400 euros par an. Pour utiliser son puits, une simple déclaration à la mairie suffit. Et voilà. Aucune taxe n'est prélevée. Merci à toi. Chercher des solutions, consommer autrement tout en faisant attention à son porte-monnaie. D'autres l'ont compris il y a plusieurs années. Près de Nantes, à Moidon-la-Rivière, au milieu de terres agricoles. Il y a 50 ans, Patrick, alors professeur, a décidé de changer de vie et s'est transformé en géotrouve-tout. C'est un pionnier, un précurseur. Il ne paye plus d'eau car il a fabriqué lui-même ses propres réserves. Alors ici, on est devant des citernes d'eau de pluie. Les citernes sont en dessous de la terre. Donc là, je vais ouvrir le couvercle. Jusqu'à 8000 litres d'eau de pluie peuvent être stockés ici. Donc là, je descends cette tige qui va aller au fond de la citerne, ce qui va me permettre de savoir ce qui me reste. Voilà, regardez ce qui me reste. 2000 litres, alors qu'on est en fin de la saison sèche. Depuis le temps qu'on a ces citernes, eh bien, on n'a jamais eu de panne d'eau. Et il ne s'arrête pas là. Pour l'électricité, il installe des panneaux solaires avec une technique bien à lui. Résultat, il ne paye plus de facture d'énergie depuis 23 ans. Ça, c'est des capteurs neufs. Et en plus, c'est quelque chose de tournant. Avec un moteur d'essuie-glace de voiture que j'ai bricolé. Et donc, ça tourne. Et puis, quand le soleil se couche, eh bien, les photopiles reviennent à l'est le temps de la nuit pour repartir. Et pour l'hiver, il a un autre système. Une éolienne totalement créée de ses mains. Et en hiver, il n'y a plus beaucoup de soleil. Mais par contre, il y a du vent. Et si bien qu'on a de l'énergie toute l'année. On est privé de rien. Pour toutes ces installations, il n'a payé que les matériaux. Le tout nous a coûté entre 4 et 5 000 euros, mais pour 40 ou 50 ans. Résultat,
il a réussi à atteindre l'autosuffisance. Un poivron, deux poivrons. La dernière fois que j'étais dans un supermarché, ça remonte à très loin, parce que le supermarché, c'est ici, quoi. Au moment où la salade est la plus chère, nous, on va juste faire trois pas en sortant de la cuisine pour avoir des salades. C'est extraordinaire. Un pari auquel personne ne croyait. Mais c'était sans compter sur la détermination de Patrick et de sa femme Brigitte, 75 ans, ancienne professeure de musique. Okay. Oh, c'est super, les dos, caramé, tout ça. Courgettes. Oh, c'est génial. Bon, les carottes, aubergines. On a décidé volontairement d'être à mi-temps et tout le monde disait qu'on allait se casser la gueule. On ne s'est pas cassé la gueule parce qu'ils ne savaient pas qu'on avait un joker. C'est on a des mains, on a un cerveau et on s'en sert. Patrick partage désormais ses bonnes idées sur son site internet. Allô ? Oui. Oui, je suis bien chez Monsieur Anne Baronnet. Bonjour madame. Oui, bonjour, c'est Sylvie. Il a environ 100 000 followers. Programme, contenu des activités. Patrick et Brigitte proposent même des stages pratiques pour apprendre à moins dépenser. Alors, tu en es où pour les inscriptions, là ? Donc, malheureusement, enfin, ou heureusement pour nous, il est plus que complet, c'est-à-dire qu'on a trop de monde. Vaut mieux ça que le contraire. Mais donc, on est obligé de s'adapter. Oui, on a une maison qui marche, mais il y a beaucoup de gens qui se disent c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Patrick et Brigitte ont une centaine d'inscriptions pour le prochain stage. Leurs bonnes idées en matière d'économie font recette. Au pied des Pyrénées, près de Tarbes, chez Eric, qui sponsorise la rénovation de sa ferme. Ses jours de tournage. Ben voilà, Cyril, à l'heure, hein, ouais, comme d'habitude. Bonjour, bonjour Cyril. Cyril et Fabienne sont des partenaires. Il va faire chaud. Ils ont offert le poêle. Je vous présente l'équipe technique. Noémie et Lucia sont étudiantes en cinéma. Elles sont là bénévolement. Pour la pub de son poêle, Eric n'a pas dépensé un euro. On va faire cette petite scène qui va mettre en avant ce que tu m'as offert et qui depuis aujourd'hui 2 ans, me réchauffe. Ben, tant mieux. Les hivers. Voilà, la scène va se passer ici. D'accord. Donc voilà, là tu as ton poêle. Oui. Non, le chien, c'est le chien qui joue. D'accord. Donc oui. Le chien sera couché sur le tapis, le feu sera bien allumé. Donc ton poêle. Enfin, quand je dis ton poêle, c'est le mien oui, maintenant. Oui, oui. Le poêle à bois coûte 5000 euros. Pour Cyril et Fabienne, l'offrir à Eric était un bon moyen de faire parler de leur entreprise. Nous, c'est surtout pour la publicité qu'on a fait ça. Ouais. Avec ses 47 000 abonnés sur son blog, les retombées sont importantes. Il y a eu une cinquantaine en fait, de personnes qui sont venues grâce au projet d'Eric, en fait, quand ils ont vu ça sur les réseaux sociaux et sur les magazines, en fait. Et bon, on a concrétisé quelques ventes aussi, hein. Surtout qu'Eric ne lésine pas sur les moyens. Là, c'est la scène, voilà, c'est la scène 22A. C'est-à-dire, il n'y a que le chien qui joue. Okay. Hein, Lascar, viens, viens. Allez, monte là, viens ici, viens là. Et quand la vedette arrive... Viens ici, viens là. Pas à bouger, j'ai dit pas à bouger. Voilà, c'est bien. Le moteur peut tourner. Calme. Et Alaska prend son rôle à cœur. On est bon. C'est bon. On est bon, on va la refaire, mais c'est bien parce que finalement, le chien est inquiet. Et en fait, c'est l'orage qui se prépare en extérieur. L'inquiétude devant le poêle à bois. Et de ce coup, le chien, tu vois, il est assis, il capte l'orage. Allez, hop, on y va. Pas bouger. Cyril et Fabienne... On y va. ...n'en reviennent pas. Scène 22A, prise 2. C'est bien, Alaska, c'est très bien. Coupé. Pub terminée, partenaire satisfait, mais Eric a une autre méthode pour économiser. Je suis un peu chargée. Hello Fabienne. Bonjour Eric. Ça va ? Son expérience en travaux a quelques avantages. Attends, je vais te décharger. Un peu long, ça. Oui, ça pèse. Ouais. Ah oui, quand même. En échange de son expertise en bricolage, sa voisine Fabienne lui apporte de bons petits plats. Ah, voilà la marchandise. Voilà. Et le gâteau aux amandes. Waouh.
Là, c'est génial, ça. Ouais, ça, c'est quoi, ça? Ah, du lapin au pruneau. Et de la tagine. Tagine. Waouh. Et confiture. Confiture. Que du bonheur. Voilà. Mais... Bon, j'ai un gîte. Et souvent, malheureusement, il y a des dégâts. Donc, j'appelle Eric pour qu'il vienne me réparer le robinet. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est appréciable. C'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire, voilà, quand il y a des petites bricoles à faire chez Fabienne, je ne vais pas lui facturer ces bricoles-là. Et comme Fabienne fait des gâteaux, très bonne cuisinière, ça sent toujours très bon chez elle. Et un jour, je lui dis, bon, ben voilà, c'est des étagères, je crois, et on va troquer allez, ces étagères-là contre un bon gâteau. Et du coup, j'en ai eu deux pour la cause. Et du coup, voilà, on a gardé cette tradition-là. Voilà, on revient à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire le troc. Si on chiffre un petit peu tout ça, je veux dire, ça va très très vite. Parce que bon, ne serait-ce que lapin au pruneau, on commande ça au resto quand même. Je pense qu'il y en a facile pour entre 12 et 14 euros, peut-être le menu. Et ce jour-là, il lui offre un extra, de l'engrais naturel pour son jardin. Allez, on va aller chercher le crottin de cheval. C'est un des meilleurs celui-là. Hein. Oui. De toute façon, je t'en remettrai d'autres, Fabienne. Ouais, là, c'est juste pour que tu puisses planter, là. Tout est bon pour économiser. Allez, un petit café, Fabienne. Ah, avec plaisir. Ah, ce système d'échange, il le pratique depuis deux ans. Très bon. Tant qu'on pourra faire comme ça, ce sera très bien. Et je veux dire, je crois que beaucoup de personnes s'y mettent aussi un petit peu. Il y en a, pas de gâteau, hein. Non. Interdit. Le troc et le sponsoring, des méthodes astucieuses. En 10 ans de rénovation, Eric a économisé 72 000 euros. Il espère que d'ici 3 ans, il aura totalement terminé. En Nouvelle-Aquitaine, à Ludon-Médoc, chez Tiffany et Julien. Et en route. Le panier de vêtements pour enfants que le couple veut donner a trouvé preneur, mais sans passer par le site d'échange. Léonie ! C'est Céline, une amie de Tiffany, qui le récupère. Bon, je t'ai amené mes petites trouvailles, là. Parfait. Et Léonie, elle a aussi. Tu veux mettre dessus ma puce ou pas? Allez. Allez, on embarque tout. Allez, c'est parti. Allez. En route. Il y a un moustique dans la... J'ai choisi plutôt saison, avec manches longues, un petit peu d'épaisseur. Parfait. Voilà. Celui-là, on l'adore. C'est rigolo. Mais il n'a pas porté super longtemps, parce que tu vois, c'est du... un mois. Ouais, j'allais dire. Et Pour tous ces articles, si Céline les avait achetés, elle aurait dépensé environ 200 euros. Ça, c'est pratique. C'est super intéressant, économique, écologique. De un, que ça ne parte pas à la poubelle. Et en plus, bah, de deux, le portefeuille, il se porte bien, quoi, du coup. Et le troc, Céline le pratique depuis plusieurs mois. Vu la conjoncture actuelle et ce système d'inflation, je préfère effectivement vraiment garder des choses de côté et les donner et ou recevoir, parce que ça peut être un échange. Oui, ne serait-ce même au boulot. J'ai des collègues, elles me disent, bah, tiens, j'ai des jouets pour ma fille, tu les veux? Oui, voilà. Donc on échange. Il n'y a rien de perdu, en fait. Si Tiffany fait du troc avec ses amis, sans forcément passer par le site d'échange qu'elle utilise habituellement, en revanche, elle a converti d'autres personnes à se servir de l'application. Sa mère l'utilise pour des dons auxquels on ne s'attend pas. Ah, salut! Ça va? Ouais. T'es venue voir le jardin? Oui. Dis-moi où t'en es alors. Ben j'avance, hein. À 61 ans, Dominique, agent territorial à la retraite, utilise la plateforme depuis 5 ans. J'ai préparé, tu vois, mes petites agaves, là. Ouais. Tout ça, j'ai plus qu'à mettre en petit pot et je mets tout sur Give. Hein. D'accord. Okay. Alors, j'ai pris des pots en verre, c'est plus simple. Où tu prends des petits jeux d'enfants. Alors, par contre, tu creuses bien, tu enlèves pas que la racine. Ouais, faut pas que je la casse, quoi, voilà. En fait, c'est ça. Ça me paraît sympathique de pouvoir les donner, ces pousses-là. Ces pousses-là, elles vont revivre ailleurs. C'est mignon, ça fait des fleurs. Ouais, elle va fleurir, ouais. J'ai pris ma retraite, donc j'ai une demi-retraite, et je complète sur un mi-temps. Donc il est vrai que mon mari aussi est à la retraite. Donc tout ce qu'on peut acquérir d'une manière gratuite ou faisant un échange avec de certaines personnes, effectivement, pour nous, c'est positif. Mm-hmm. Au niveau de l'inflation, cette application apporte un plus. Je les photographie, je les mets sur l'application dès ce soir, et ça va partir très vite. J'essaie de regrouper les personnes, oui, bah parce oui, que oui. Sinon, c'est des allées et venues constantes. Non, puis même pour toi. Je réunis tout le monde vers 11 h le matin, et je distribue au fur et à mesure.
Donc celle-là, on va la laisser tranquille. Donc du coup, bah, écoute, là, on a fini. Ah, j'ai trouvé ta colonne, du coup. C'est génial. Tu veux qu'on aille voir ? Ouais. Dominique a même trouvé la colonne de rangement que Tiffany et Julien recherchaient. J'espère qu'elle va te plaire. C'est la bonne taille, oui ? Oui, tu m'avais donné les mesures. Ouais, c'est j'ai ça. J'ai tout. Le modèle est identique à celui repéré par Tiffany sur le site d'un magasin. Voilà, t'as tout le descriptif, là. Je sais pas si elle te plaît ou pas. J'ai réservé déjà. Ah, super. Colonne de rangement. T'as moyen, 13 km, tu vois, ça va, c'est raisonnable. Mm-hmm. Meuble de rangement, colonne. Et tu vois, elle est là. Ouais. Hop, j'y suis en 20 minutes. Ça va c'est aller. Sur mon trajet de retour. C'est ton trajet de retour. OK. Cette colonne de rangement, donnée par un particulier, est à quelques kilomètres de là. C'est le principe de l'application. Le don se fait localement. Bonjour. Bonjour. Marie. Tiffany, enchantée. Enchantée. Je vous suis. Allez. Merci. La colonne est là. Super, OK. C'est un peu le bazar parce que je suis en plein déménagement, désolée. Ah d'accord, OK. Du coup, elle est un peu haute, mais si vous voulez, je peux vous aider à la porter dans votre voiture. Je veux bien, oui, parce que là, je suis venue toute seule. OK. Marie a posté son annonce la veille. J'espère qu'elle rentre dans la voiture. Allez, on va la faire glisser. Le meuble correspond tout à fait aux attentes de Tiffany. Mais pour le chargement, c'est une autre histoire. Merci. Alors, je vais ouvrir. Mais Tiffany peut compter sur Marie. Fait que je fasse de la place et plutôt que de jeter alors que c'est encore en bon état, je me suis dit que donner c'était mieux que jeter. Ça se trouve, il s'enlève pas ouais, tout bêtement. J'ai l'impression que. Il s'ose, mais il s'enlève pas. Ce de dedans. Ah, si. Ah si, c'est bon. Ça y est. Voilà. Super. Enfin. Tu veux que j'aille attraper à l'avant ? Ouais, je veux bien, merci. Je la lâche. Ouais. Allez, j'essaye de Vas-y. Fermer. Je pense qu'il manque pas beaucoup. C'est la première fois que j'utilise l'application Guide. En fait, c'est marrant. J'ai découvert hier. C'est des collègues qui m'ont conseillé l'application et je sais pas, en une heure, tout était parti. Donc, c'est vraiment pratique. Ouais. Génial, ça rentre. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Installe-toi bien et puis une prochaine fois si c'est gentil, t'as besoin d'autre chose. Ouais. Et bon déménagement alors. Ouais, merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Un bon plan mené en moins de 24 heures sans débourser un seul euro. Hop là. Va falloir que tu m'aides parce que je sais pas comment on a réussi à la rentrer. Bien joué. Alors, comment on va faire ? Elle est bien la colonne ? Ouais, elle est bien. Ouais. Tiffany et Julien n'ont plus qu'à l'installer. On va la poser là, maintenant. Ouais. Écoute, c'est parfait. Elle correspond parfaitement à leurs attentes. Oui, il y a des petites taches de gras, des trucs, mais bon, c'est pas très très grave, honnêtement. C'est plutôt en bon état, on peut pas trop se plaindre. Même quand c'est gratuit, la plupart du temps, c'est en très bon état. Et puis si jamais il y a 2-3 imperfections à droite à gauche, un coup de peinture, ça nous coûtera toujours moins cher que d'acheter 9 à 50 euros. Sur le côté financier, on est quand même à 50 euros près, finalement. Un petit peu quand même, même si on est d'une classe moyenne et que... voilà, on n'est pas non plus à la rue ou on n'est pas non plus au RSA. C'est pas un besoin vital, c'est sûr. C'est pas un besoin vital, mais c'est vrai que notre budget course, c'est... entre 3 et 500 euros par mois, ce qui veut dire que là, c'est 10% de notre budget, en fait. Voilà, c'est ça. Allez, viens avec maman un petit peu. Effectivement, du fait de l'inflation, nous, on voit la différence. Moi, je la vois quand je fais les courses, essentiellement. Je la vois sur le prix du carburant. Et nos salaires, ils n'ont pas suivi l'inflation. Si le don et l'échange permettent de faire des économies sur des postes importants, à plusieurs kilomètres de là... À Vichy, Christelle, la reine des coupons, sait aussi se passer de supermarché quand elle juge que c'est plus avantageux. Et pour les œufs, comme il y a rarement des réductions, elle a créé son poulailler. Je te laisse ouvrir la porte, maman. Oui, tiens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. J'arrive, je retourne à côté. Elle a acheté 10 poules pour 20 euros et son fils y voit un autre bénéfice. Ici, c'est fraise. Elle est très douce, mais elle aime pas du tout qu'on la porte. Quand on la porte trop, des fois, elle se débat. Oh, ma fraise. T'es belle. Oui, pote. Maintenant, vu qu'on a beaucoup d'œufs par semaine, bah, ça nous sert à rien de manger ceux du supermarché. Et en plus, on trouve que les nôtres, ils sont meilleurs.
Christelle a une dizaine d'œufs frais chaque jour pour améliorer ses menus à moindre frais. Ce jour-là, son gâteau... Du sucre en poudre, du sucre vahiné, de la maïzena, 5 œufs... Lui revient à un prix imbattable. On doit être à 1 euro, 1,50 euro maximum. Et voilà. Oui. Toutes ces économies sont un moyen pour Christelle d'investir dans sa décoration. Le lendemain matin... C'est bon, les loulous ? Ça va. Alors, on est allé chercher la commode. Une commode qui nous manquait pour aménager la maison. Elle a pu s'offrir cette commode pour 100 euros, l'équivalent d'une semaine d'économie et de bons plans au supermarché. C'est des bonnes réductions qui se matérialisent en commode. À chaque ticket de caisse, quand on économise un petit peu, on se dit c'est un petit bout de commode à chaque fois. Et là, voilà, elle est entière, elle est là. Ça commence à prendre forme. Je suis les étapes, mais j'ai l'habitude. C'est pas le premier que je monte. Avec ce système, elle peut s'offrir une belle décoration d'intérieur. Et en matière de bricolage, elle s'y connaît. Oui, toute la cuisine avec ma fille. On a tout monté ensemble. Mon mari faisait la peinture et nous, on faisait le montage de meubles. On est fiers déjà de l'avoir fait, même s'il y a des petits défauts, des petites imperfections, mais c'est chez nous. Et puis en plus de ça, s'il faut payer quelqu'un pour monter la cuisine, ça coûte plus cher. C'est pas le but. Elle est belle, hein, elle est sympa. Le prochain projet, ça sera le poêle. Si les économies de Christelle demandent beaucoup d'heures et de rigueur, il y en a une qui passe beaucoup moins de temps dans les supermarchés, mais qui réalise aussi de très bonnes affaires. Sandrine n'y reste jamais plus de 10 minutes. Ça, c'est... Ça ressemble un peu à la maison. C'est où j'ai la maison. Quand elle y va, elle compare toujours les prix, surtout ceux des légumes. Les prix sont chers, en fait. Et quand elle arrive devant les tomates... Elles sont jolies, mais le prix est joli aussi, quoi. Il est à 4,49 le kilo, si vous voulez. J'achèterai pas des tomates à ce prix-là, en fait. J'ai fait une vingtaine de kilos en sachet à la maison, vous calculez. Et là, les concombres, 1,49 le concombre. Si j'en mange deux par jour, ça me fait à peu près 3 euros. Ça me fait 6 euros par jour. Vous comptez, si je vais en manger tous les jours, c'est énorme, quoi. Cette année, mon potager, il a pu me donner une centaine de concombres, en fait, pour un mois. Chaque euro compte. Chaque poste de dépense est étudié. Je ne vais pas craquer sur de tels produits. Ça peut arriver, mais bon, ce qui est très rare, je prends vraiment ce qu'on a vraiment besoin, ce qui est nécessaire, en fait. Sa priorité aujourd'hui, trouver le nettoyant utilisé par toutes les grand-mères, le vinaigre blanc. Et elle a sa méthode pour débusquer les bonnes affaires. C'est le litre, un litre. Le prix au litre, quand on prend en bouteille, il est moins cher que quand on prend en bidon. Donc en fait, c'est pareil, les gens ils peuvent croire qu'ils font des économies, mais moi, je regarde le prix au litre. Et ça, mon vinaigre blanc, c'est mon produit ménager. Bonjour. Et à la caisse, son caddie est quasi vide. En fait, j'ai pris ce qu'il me fallait et ce qui me manquait, en fait, ce que je ne peux pas produire ni créer. Quoi. Ça fait un montant de 12,95 euros, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez la carte fidélité ? Oui. C'est pas un gros budget. Je vais payer en espèces, s'il vous plaît. Ce sont les seuls achats de la semaine pour toute la famille. Alors, je vous dois 2 euros et 5 centimes. Merci. Si Sandrine a une note aussi basse et qu'elle n'achète aucune conserve, c'est qu'elle les fabrique chez elle. Ça y est, c'est prêt. On va mettre en bocaux. Je
j'espère en faire au moins une vingtaine, si c'est plus, quoi. Enfin, le plus que je peux, en fait. Là, je pense que j'ai économisé 10-12 euros. Du fait maison comme ça, c'est pas donné. Et là, c'est gratuit? Bon, on va dire qu'il y a le gaz qui... que je paye, mais sinon, ben, les bocaux, c'est récupéré, donc j'ai rien payé. Les légumes, c'est du jardin, donc j'ai rien payé. Donc on va dire, ouais, c'est du quasi gratuit, quoi, en fait. Et pour se meubler, le couple a une méthode bien connue et qui marche. Faire appel aux amis. Non, ça va ? C'est vrai, ouais. Donc ça, c'est un lit que je me débarrasse. Ouais. Et j'en ai plus l'utilité. Donc si ça peut te servir... Ouais. Ouais, bah nickel, hein. Ouais, c'est cool. Ça vient tout seul. Ils pensent à nous, ils nous téléphonent. Écoute, on démonte des fenêtres, des portes. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux récupérer un lit, des matelas? Ça peut être ce qu'on a besoin, en fait. On récupère pas tout et n'importe quoi non plus, quoi. Ça, bon sang, avec le matelas, il faut compter 90 euros. C'est une économie aussi parce qu'en fait, on récupère gratuitement, quoi. Et c'est des amis qui nous l'offrent, donc c'est super. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, si tu veux. Ouais, moi, je veux bien. Ouais, je veux bien. Ouais. Du frais. Ouais, quelque chose de frais, si... Non. Oh. T'es parti, Béla. Tu fais les concerts, tout ça. C'est vrai que c'est un gain d'argent. On gagne. Parce qu'on gaspille beaucoup, nous, je sais qu'on gaspille beaucoup. On ne fait pas attention. Un petit peu plus maintenant, vu l'eau, tout ça. Après, quand tu as les factures, tu te dis, faire attention quand même. C'est bien parce qu'ils font des économies et il y a des choses qui sont bien. Il y a une chose qui augmente, mais tu as l'impression que tout le monde, tout il augmente en même temps. Ouais. Et du coup, tu revois deux fois quand tu achètes quelque chose. Ouais. Du coup. Cette entraide leur permet de boucler leur budget. Du bon sens, qui, malgré leurs ressources, offre le moyen de vivre mieux, sans se priver. Ce retour à ces méthodes simples, le troc, le fait maison, séduit de plus en plus de Français. À Moidon-la-Rivière, chez Patrick, ces astuces pour économiser font le buzz sur les réseaux sociaux, et tous les 15 jours... On attend entre 70 et 75 personnes. Il faut être un petit peu l'homme à tout faire, parce que comme il y a beaucoup de monde, si chacun se garde n'importe comment, ça ne va pas le faire, quoi. Ils viennent de toute la France pour s'inspirer de ces méthodes. Ça intéresse du monde, tant mieux. On leur demande la somme énorme de 5 euros pour 4 heures. Donc autant dire que notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de communiquer, hein. C'est de transmettre. Voilà. Ils ont tous des motivations différentes, mais une préoccupation commune. Trouver des solutions pour boucler leur budget. J'ai juste une petite terrasse avec quelques plantes, je fais pousser des tomates. Mais justement, je viens là pour trouver d'autres astuces pour pouvoir profiter de ma terrasse, pour voir ce que je peux faire dessus. Là, on vient de Marseille. Et voilà, pour voir un peu qu'est-ce qui se fait ici et voir si c'est possible de l'adapter chez nous. Voilà, il y a une voiture là-bas, vous mettez juste derrière, vous serez la dernière. Voilà, alors mettez-vous par là. Comme on va rester un bout de temps, vous pouvez commencer à vous asseoir où vous pouvez, à l'ombre. C'est important de dire ça. Ce n'est pas une affaire de spécialiste, comme presque tout le monde le croit. Je ne savais rien. Mais on avait la détermination de vivre autrement. Donc, on ne paye plus d'eau depuis 46 ans et on ne paye plus d'électricité depuis 23 ans. Une promesse alléchante pour les visiteurs. Sur la nacelle de l'éolienne. Donc, les aimants doivent passer... J'enregistre tout ce qu'il dit. Après, j'ai toutes les infos. Et là encore, c'est les économies d'eau qui intéressent. Actuellement, on a 130 mètres carrés de capteurs d'eau. Donc, on capte l'eau. Et vous remarquez que, vu la forme de ce bâtiment-là, on a 11 gouttières. D'ailleurs, si, il sort un peu. Ici, il y a un trou. Et là, il y a un collecteur qui est légèrement en pente. En tout, on a 8 mètres cubes d'eau. On a l'impression qu'on ne parle pas à du vent. Puis en fait, c'est des sujets de tous les jours. C'est pas en l'air, c'est l'eau, la nourriture, etc. Donc ça concerne tout le monde. Et on voit bien qu'ils sont très intéressés. Des stratégies efficaces, radicales, qui demandent aussi de se retrousser les manches.
Mais tout le monde est-il prêt à faire autant d'efforts? Là, c'est une baleine qu'on a. Enfin, vraiment, c'est super, quoi. Je suis très contente. Du coup, ça fait réfléchir à beaucoup de choses et ça donne plein d'idées, en fait. Surtout. Ah, attends, vous pouvez encore partir. Merci. Voilà, vous payez pour deux. Merci, madame. Oui, c'est ça. Pour deux personnes. Plum, plum, tralala. Je repars gonflé à bloc. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut se prendre en main, effectivement. Déjà, réfléchir à qu'est-ce que l'on consomme, nous, au quotidien, en eau, en électricité, voilà. Et peut-être qu'on a effectivement besoin de beaucoup moins. Et oui, effectivement, ça fera du bien au porte-monnaie. Hein. C'est ça, quoi. Il faut s'y mettre, maintenant. Le retour au bon sens, aux vieilles méthodes, à l'entraide, des solutions simples, mais qui demandent de changer radicalement nos habitudes de consommation.